mais bon. Elle est où la sortie? Allez, si là. Le centre d'enrichissement fait l'objet d'un bombardement de boules de feu, météorites ou autres corps spatiaux, évitez les zones dans lesquelles l'absence de protection anti-météorite ne constitue pas un élément constitutif du test. Un élément constitutif du test. Et je le vais où, mon portail? Oui. Oh là 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 là, ça commence déjà à s'énerver. Hein. Alors, attendez. Si je fais ça... Ah, ça met un cube ici. Hop. Voilà, merci. Hop. Donc là, on a les escaliers. Là, il faut un cube. Ah, mais attendez. Attendez. On va appuyer sur le petit bouton. Ah, ben non! Ah, mais on peut mettre qu'un cube! Oh! Non! Alors, attends. Est-ce que le truc. Qu'est-ce que c'est ça? Ici. Ok, ok, et ça? Ah! Vite, il y a un cube qui a tombé. Ok, j'ai compris le jeu. Et là, ça va rebondir, attention les yeux! Oh non! Il est parti où le cube? Vite! C'est beaucoup trop lent! Alors attendez, on envoie le cube. Et là on met ça. On doit être pas mal là. Voilà, let's go! Pardon, excusez-moi. Excusez-vous. Hop. Voilà. Facile bravo. Ce jeu. Le centre bravo. D'enrichissement vous rappelle que malgré l'adversité, vous n'êtes pas seul. Oui. En effet, ah bon, il suffit de 1,1 volt à nos pseudo-personnalités pour maintenir leur intégrité, même dans des environnements apocalyptiques. Elle raconte des choses qui sont épatantes. Hein. Tout à l'heure, là, tu nous as dit de pas faire des trous de balles. C'était la meilleure. C'était clairement la meilleure blague que j'ai entendue dans un jeu. Vraiment. Je pense que j'entendrai rien de plus beau aujourd'hui. Attendez, il y a un truc par terre. Je sais pas. Voilà. Le prochain test repose sur la conservation de l'énergie cinétique à travers le portail. Si les lois de la physique n'ont plus cours dans le futur, Dieu vous garde. Dieu vous garde, mais tais-toi un jour là. Oh fuck. Oui. Alors. Oui. Hop. Alors si vous trouvez que je fais extrêmement bien les bruits d'oiseaux, c'est normal, je me suis entraîné. Je peux vous faire le pigeon si vous voulez. Voilà. Vous coucherez en attendu la meilleure imitation de pigeon de votre vie. Oui. Si vous êtes un non-employé ayant découvert ce centre parmi les ruines de la civilisation, bienvenue. Les tests sont l'avenir. Et l'avenir commence avec le futur. Vous. Mais je le mets où le portail, moi, Michel? Ah, mais si, je le mets. Ah, bah oui. Évidemment. Oui. C'est quand même horrible cet aspect de... Attendez. Ouais. Attendez une seconde. Comment je vais là, moi? Bah. On peut le jeter ou pas? Non, on peut pas le jeter, hein. Parce qu'il y a le cucube, là. Et si je shot et que je le lâche? Ah bah ok, c'est bon, ça marche. Let's go. Non! Ah! Et donc là, si je fais ça... Hop. Oupsi, oupsa. Oui!
Ah, attendez, t'as j'ai cru. Et voilà. Cette petite musique d'ambiance là. Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes le jeu? Je ne comprends pas ce qu'il faut que je fasse. On va voir ce qui va se passer. Ah mais y'a un trou, bah voilà. Votre découverte est en avenir. Cela étant, si l'avenir est peu susceptible de commencer à vous, si une tare mentale, un âge avancé ou une irradiation prononcée, irradiation. Veuillez regagner votre tribu primitive et envoyer une personne plus apte au test. Si vous trouvez que c'est insupportable parce qu'il parle trop, je vous rassure, vous n'êtes pas seul. Chut. C'est bien quand même, hein. C'est bien quand il parle pas le Jean-Michel, hein. Afin d'assurer une alimentation suffisante pour les protocoles de tests principaux, toutes les mesures de sécurité ont été désactivées. Le centre d'enrichissement respecte votre droit de réserve relatif à cette déclaration. Ta gueule. Merci. Ça va être insupportable. Il va faire que parler, hein. Déjà dans le 1, ça parlait beaucoup trop. Pour lui, encore pire. Allez, non, Michel, je suis là. Ah, trop rigolo. Ça l'éclate! Et qu'est-ce que je fasse de ce portail Formidable! Vous avez vraiment trouvé un générateur de portail! Oh. Comme quoi c'est vrai ce qu'on dit! Aux innocents, lobotomisés, les mains pleines. Si c'est pas beau quand même. Bon. Qu'est-ce qu'il y a là? Écoutez. Oui. J'ai un truc à vous dire. Un truc assez barge. Oui. Oui. On m'a dit de ne jamais, au grand jamais, me déconnecter de mon rail de guidage. Sinon, je mourrai. Mais là, on n'a plus trop le choix. Eh ben oui! Eh oui! Alors. Tenez-vous prête à me rattraper au cas où je ne tomberai pas raide mort dès que je me serai détaché. Non, on s'en fout. Un, on y va. Deux. Un. Deux. Trois. C'est haut. C'est trop haut même, non? Enfin. Bon, quand on y va. Le mec qui panique. Genre un, deux. Ouais, on un, non, en fait. Non. Allez, oh, on oh. Est prêt? Un. Chopez-moi. Ah. Un, deux. Je suis pas mort. Et voilà. Pas mort. Branchez-moi sur ce truc là-bas, sur le mur, d'accord? Je vais vous montrer quelque chose, vous allez scier. Quel truc? Je peux pas faire ça si vous matez. Non mais je plaisante pas, hein. Vous pouvez vous retourner une petite seconde? Non, j'ai envie de te regarder, moi je te mate un peu. Allez! Ah mais tu veux vraiment pas le faire? J'y arriverai pas si vous regardez. Est-ce que vous pensez qu'on peut rester comme ça de vitam aeternam? On va le regarder, hein. Alors? J'y arriverai pas si vous regardez. Vous voulez bien vous retourner? Ah mais il y aura vraiment dans le jeu quoi. Hop! C'est bon, vous pouvez vous retourner. Ah, j'ai fait le compartiment secret que j'ai ouvert pendant que vous aviez le dos tourné. Ramassez-moi, on part d'ici. Oh mais non, mais il va falloir. Oh, mais je vais devoir te porter toute la partie et tu vas devoir me parler en plus. Ça va être un enfer! Regardez! Je suis plus tributaire du diktat du rail! Oh, c'est formidable! On peut aller où on veut! Où est-ce qu'on bah va, non, en fait non, mais attendez, tu peux. Attendez que je me repère, il faut que. Qu'on suive le rail. Bonjour. Oh non! Hey, bonjour, c'est ça, au revoir! Surtout les croisés, bonjour! Non! Souvenez-vous des tourelles, attendez! Attendez! Avancez, avancez! Attendez! Attendez! Bonjour, je suis une tourelle! Je ne suis pas comme les autres! Yeah, yeah, yeah! Hey, salut princesse, comment ça va? Est-ce que tu as aimé ma petite voix? Comment que ça va bien? Bah écoute, ça va très très bien. Muchachos bien, bien dos. Comme disent les personnes. Mais... ah oui, au fait, je crois qu'il faut aller que je vous merci. Sur un truc. Alors, pour par contre, il parle trop ce robot, c'est insupportable. Qui vous savez? Et si jamais elle est en vie, bah elle va sans doute nous tuer. Si vous voulez, vous pouvez laisser tomber. Oh, on va rester tranquille ici, pour toujours. C'est un choix. Choix A, rester tranquille ici. Choix B, aller là-dedans, quitte à se faire tuer. Si elle est. Est-ce que tu peux arrêter de parler, s'il te plaît, robot? D'accord, merci. Je vais jouer carte sur table. Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas entrer là-dedans. N'y allez pas. Elle est cinglée. Cinglée, je vous dis. Allez. On s'en fout. La voilà. Ça... Celle-là, quand même, c'était un sacré numéro. Une vraie folle dingue. Ah mais c'est ça, c'est le robot qu'on a tué dans le premier jeu. J'ai fini par la désactiver. Bah, j'imagine. Ça, c'est le meilleur. Vous allez jamais me croire. Un humain. Je sais, moi non plus j'y croyais pas au début. Après ça, l'humain s'est échappé et personne sait ce qu'il est devenu. C'est bon. Ensuite, il y a eu une longue période pendant laquelle il s'est absolument rien passé et puis maintenant, nous qui nous échappons, donc voilà, c'est à peu près tout. Vous avez fait la page. Ne touchez à rien. Bah bon, je toucherai à rien. Est-ce que je peux t'envoyer dans les. Ah, je peux te lâcher! Ah merde!
Du coup, tu restes avec moi. Genre, okay, trop bien. Et si j'ai pas envie que tu restes avec moi, comment on fait le jeu? Oh, tu vois, c'est ok. C'est très bien. Parce que déjà, dans l'un, c'était chiant parce qu'il parlait tout le temps. Mais là, on le voit face à nous tout le jeu. Et en plus, il parle encore plus que dans le premier. C'est insupportable. Insupportable. En tout cas, moi, tout ce que j'ai retenu du premier jeu, c'est que le gâteau est un mensonge. Descendez cet escalier. Merci, oui, je sais ce que je fais. Sautez. En fait, à bien y regarder, ça fait loin, non? On s'en fout. Ça passe. Ça passe. Formidable. Vous m'avez agrippé. Tout va bien. Rudement bien, même. Écoute, de toute façon, je peux pas te lâcher, donc... Hein? Tu peux pas me la faire? Est-ce qu'il y a des... Je ne vois rien. Vous voyez quelque chose, vous? Non, c'est normal. Je ne vois rien du tout. Baisser les yeux. Je vous le déconseille. Ah oui. Je mange mes petits croque monsieur. Ah nice, c'est bon ça. Eh bien bon appétit ça, à toi. C'est la salle des disjoncteurs. Salle des disjoncteurs. Cherchez un disjoncteur marqué module d'évacuation. Et un petit café. Et ne touchez rien d'autre. Au top du top. Pas. Ne touchez rien d'autre, ne regardez rien d'autre. Enfin, il faut regarder partout. Il est insupportable. Puis je suis sur Blood Hunt en même temps. C'est quoi Blood Hunt? C'est une série d'évacuation, mais dès que vous voyez quelque chose qui n'est pas marqué module d'évacuation, regardez ailleurs. On regarde, on vérifie et hop, on regarde plus et on passe au suivant, d'accord? Et vous allez me dire que je me répète, mais surtout, ne touchez à rien. What the fuck? Vous le voyez quelque part? Parce que moi, pas. Vous savez quoi? Connectez-moi et j'allume la lumière. Vas-y, allume la lumière. Voilà. Que la lumière soit. Dixit, Dieu. Je citais. Ah! Regardez, on pivote. C'est pas bon signe. Mais tant qu'on monte pas, ça va. Alors, le module. Ah, mais ce robot est insupportable. On monte. Salut Astéria. Non, c'est pas grave, je maîtrise. Ça va bien et toi? Bienvenue, installe-toi tranquillement. On écoute Weasley qui parle beaucoup trop. Mise en marche. Mais genre vraiment beaucoup trop. Ok, pas de panique. Arrêtez de paniquer. Je peux. C'est un berre de vampire. Ah, mais oui, ça me parle. Ça me parle ce jeu. Mais je crois que j'ai déjà vu jouer au-dessus en plus. Ça va, merci, ça va. Qu'est-ce que tu fais debout dans ta soirée? Le son est un peu plus fort que ton micro. Ah, ben tu fais bien de me le dire. Parce qu'il me semblait bien que le son était fort. Hein. Attends, j'ai un peu baissé. Ah, mais j'ai pas essayé, mais vous avez un stylo? Je vais baisser un peu plus, hein. Voilà. Ça va être un peu mieux maintenant là. On fait comme si de rien n'était. On n'a rien fait. Tiens, c'est vous. Oh, c'est GLaDOS. Ça faisait longtemps. Ah, un petit tour sur SR, c'est la base. Pour ma part, la mort m'a beaucoup occupé. Vous savez, depuis que vous m'avez assassiné. Depuis quoi? Je crois qu'on s'est fait avoir. Non. Ah mais si tu peux le cramer, ça me va bien. Mais nous pourrons, je pense, mettre nos différents. Alors pourquoi c'est GLaDOS avec un petit A par contre? Sale monstre. On va se faire défoncer. Hop, le petit gemme. Oh merci princesse. Merci beaucoup. J'en conclue que vous aimez tout particulièrement les tests. J'espère que ça farme les points sur Streamrunner, hein. C'est ce qu'il faut. D'abord, hein. Il nous reste un petit détail à régler. Oh, on va tout recommencer. Non. Pourquoi GLaDOS y a un petit A? Oh là là. On a réveillé GLaDOS. Ça sent pas bon, hein. C'est toutes les salles qu'on va devoir passer. J'ai vu que deux vilains sont passés devant moi au classement. Ah merde! Faut que je rattrape ça. J'essaie de fermer les points, mais c'est long. Ouais, c'est un peu long. Après, tu vois, si tu discutes, ça commence à. Ça va. Attention, je ne ça avance pas bien quand même, hein. Sur les restes de moi-même que vous avez jeté là. Le générateur ah oui, c'est vrai. De portail doit être par là. Trouvez-le et nous pourrons commencer les tests, comme au bon vieux temps. Ah oui, elle veut me cramer, quoi. Quand il y a des streamers qui parlent, ça va. Ah bah oui. Bah, c'est sûr que si t'as des streamers qui parlent pas, c'est un peu compliqué. En vrai, tu commences à avoir des personnes avec qui tu as du feeling. Attention. Ça va assez vite. Ouais, c'est vrai. Ouais. Après, tu te sens après. Bah, laisse-moi prendre ça le jeu, s'il te plaît. Bien, vous Merci. Avez le double générateur de portail.
Oui, le double générateur de portail. Ah, attendez. Ah, tu veux que j'aille là-bas, c'est ça? Hop. Oui. Après le début des tests, le protocole m'impose de limiter au maximum mes interactions avec vous. Oui, bah ça serait pas mal parce que tu parles un peu beaucoup. C'est notre dernière occasion. Les princesses, je suis... Je tombe sur beaucoup de streamers qui parlent pas ou qui te répondent juste à ta question à sens unique, quoi. Ah ouais, ouais, oula, c'est chiant ça. Attendez, oh, faut la communication. Savez-vous ce que j'ai appris de plus important grâce à vous? Je n'arrive pas à écouter ce qu'elle dit, jouer et lire le chat. Pourtant, il n'y a pas 20 000 personnes, mais je subis, quoi. Du souci de santé de ma grand-mère. Mais comme je connais déjà pas mal de monde, c'est assez rapide. Quand je passe, je sais qui aller voir. Que j'avais une fonction de sauvegarde. Ah oui, c'est sûr qu'au bout d'un moment, tu commences à... Qui, en cas de défaillance majeure, préserve. Mais merde, c'est trop compliqué. C'est ça. Non, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand tu commences à être souvent sur StreamRunner, tu... Je vais là-bas. Tu commences à voir un peu les gens avec qui tu sais que tu vas discuter un peu plus qu'avec d'autres. Il aurait pu passer sa vie à tenter de se venger. De se venger. Heureusement, je suis au-dessus de tout ça. Je ne demande qu'à oublier et reprendre le travail. C'est vrai, il y a beaucoup à faire et il ne nous reste plus que 60 ans. 60 ans, mais dis donc. Je n'ai pas les tables de mort. Moi, je sais que certains bannent le bot. Ah ouais, alors si tu bannes le bot, ça n'a aucun intérêt, hein, franchement. Mais quel désordre ici. On peut pas farm, hop. Mais l'important, c'est que vous ils sont juste histoire rouge chez moi. Avec moi. Je les vois et hop, je switch. Ouais, et mais du coup, par contre, avec le nouveau système, quand tu switch. Alors, je suis désolé si vous voulez écouter ce qu'elle dit, mais moi, j'en peux plus. Hein. Mais avec le nouveau système, du coup, quand tu switch, c'est ce que tu disais, c'est que du coup, tu perds ton compteur de 5 minutes, tu remets à 0. Et du coup, faut que tu réattendes 5 minutes pour avoir tes stream coins. Vous voyez? Vous voyez? Ça fait du bien quand elle parle pas. Oh là là! Infernal. Infernal. Parle beaucoup trop. Et ouais, je me demandais c'était quoi ce décompte. Bah en fait c'est un décompte avant, si tu veux, t'avais genre 50 stream coin tous les je sais plus combien. Je me suis un toutes peu les que vous m'avez tué. 30 secondes, non. Je sais plus. Et maintenant en fait, au lieu de faire 50 par 50, ils ont fait un compteur de 5 minutes. Je vais réparer tout. Où t'as du coup 500 d'un coup. Ce premier test très facile. Ah oui, c'était 100 par minute. Ouais, 100. Laser mortel. Mais sauf que si tu changes de salle. Dont les sujets réagissent au... GLaDOS, tu peux arrêter, s'il te plaît, merci. Du coup, quand tu changes de room, ou quand t'es switch automatiquement, en fait, ce compteur se remet à zéro. Ce qui est un peu chiant. J'ai essayé d'expliquer, mais ça a été mal compris ou moi mal exprimé. Alors, je m'en suis pris plein la tronche. Merde! Ah oui, donc du coup, tu dois rester au moins 5 minutes sur la même room. Ouais, c'est ça. Tu dois rester sur la même room pendant au moins 5 minutes pour avoir tes 500 stream coins. Et après, ton compteur, le timer se remet à zéro pour les 5 prochaines minutes. Après, si tu changes toi-même de salle, moi je comprends que ça peut éventuellement remettre à zéro, mais si ça te change automatiquement, c'est un peu con que ça te remette à zéro, quoi. Le problème, c'est que ça force à rester 5 minutes sur un stream que t'as pas envie. C'est un peu le problème aussi, ouais. Tu peux, si tu te retrouves sur une room où c'est pas ouf, enfin c'est pas ce qui te plaît, quoi, tu peux rester 5 minutes sur un truc qui te plaît pas, quoi. Après, si tu es sur quelqu'un qui parle pas ni rien, princesse, c'est comme le feeling, tu peux pas l'avoir avec tout le monde. Ah ouais, non, mais c'est sûr aussi, hein. Attendez, ah oui, il faut les bouboules! Bah voilà, les bouboules. Et comment je vais en rond, moi? Ah mais attendez. Hop. Et là. Là. Voilà. Vous vous débrouillez comme un chef. Moi qui suis une personne active. Mais je vous conseille d'économiser active toute la night, hein. Il reste encore beaucoup de tests. Excellent. Quand je me retrouve sur un stream only follow ou le ban tout ça, bah je switch. Ouais, mais c'est sûr. Moi, je crois que le pire, c'est le. Enfin, le only follow, j'ai un peu du mal quand même. Parce que du coup, tu peux pas discuter. Eh bien, en fait, t'as un bot streamrunner qui est sur le chat. Et si jamais tu le bannes, c'est Benoît SR. Tu le vois, il passe. Il écrit des messages quand, par exemple, tu rentres sur une room ou des trucs comme ça.
Et si jamais il est ban, en fait, bah du coup, les gens qui écrivent dans le chat ou qui font les quêtes et tout, bah ils peuvent pas.